Actualité internationale, l'armée Israël a fait un retrait dans Gaza pendant troupes liées à Paris pour une opération dans Rafah malgré opposition Washington et Nations Unies. Et puis l'équipe solaire totale hier lundi 8 avril 2024 l'a provoqué en pile sensation surtout dans pays côté le dépassé tant que Mexique, États-Unis et Canada. Les États-Unis qui a fait causer. Actualité concernant pays d'Haïti, opération démolissement CAI, police nationale là surtout aux alentours aéroport international Toussaint l'ouverture là, nous va gain réaction quelques propriétaires. Dans moment information, il a parlé de installation conseil présidentiel transition, hein. Plusieurs secteurs à travers une pétition pour choisir un juge dans cour cassation pour diriger transition. Attends, Jacques. À la petit pays il va gain problème président. Non, nous gain président, si c'est pour président, nous gain président. Dès que à chaque fois on finit ton président nous dit les États-Unis viennent prendre président là, Canada viennent prendre président, mais là nous gain président et pays pas manquer président du tout non. Président trois têtes, président cassation, président sept têtes, président neuf têtes, c'est président. Nous pas gain problème président même. Nous pas gain problème chef. Nous gain problème soldat. Yes, nous pas gain problème président, nous gain problème bon citoyen. Et oui, c'est pour ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour dans un petit moment. Et dans pays d'Haïti même c'est suspense, tout monde attend de date installation conseil présidentiel transition mais toujours gagné yon retard donc Napton. Mais actualité à sous point de vue international appelez nous dans la région Moyen-Orient côté que guerre Israël et Hamas là sont suspense tout sous un cessez-le-feu éventuel dans Gaza pendant que gagné l'armée État Israël et l'armée pays Israël là lui-même qui a préparé yon opération dans Rafah malgré position Washington, position Nations Unies et l'autre pays encore. Nous essayons de guerre pour mise à jour. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dit jeudi mardi à l'ivral déraciner une brigade Hamas parmi eux sac à paupières dans la ville Rafah au sud de Gaza et pas rien qui va l'empêcher de faire ça. Nous pourrons compléter l'attaque sur brigade Hamas et même sac dans la ville Rafah et pas aucune force sur planète là qui est capable de camper nous dans la route. Qui a pile force qui campe en quoi dans ce sens ça? Mais ça va pas l'aider étant donné l'ennemi ça après Zak qui finit de commettre là, il n'y a pas une opportunité pour faire ça encore. Monsieur Netanyahu fait déclaration ça devant nouveau recrue militaire dans zone Ramat Gang. Un jour après, il était fini, il a déjà choisi une date pour Israël envahir Rafah. Cependant, personne ne va connaître date là. Dans un moment, une série de négociations cessez-le-feu a déroulé dans la ville de Caire, en Égypte. L'Union européenne avec divers gouvernements étrangers a essayé de décourager l'idée d'État juif là pour ne pas monter sous chemin ça, une façon pour éviter la rivière sans. En même temps, le président des États-Unis, Joe Biden, demandait pour Israël pas lancer une gros coquin offensive l'autre. Sous vos paroles, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken aborde le dossier invasion Rafah tout. Pour ça concerne Rafah, Israël n'a pas donné aucune date sur opération liant. Ça nous a dit c'est que nous continuons à parler à l'État hébreu sur question Rafah. Pendant ce temps, un convoi camion assistance humanitaire entré dans Gaza jeudi mardi 9 avril là, à travers frontière Rafah, côté plusieurs milliers de Palestiniens déplacés à vivre, dans le cadre d'opération militaire, État juif a continué à plancer dans la zone. Opération qui presque lagué monde dans Gaza, dans gros grand goût, d'après quelques agences aide humanitaire. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci. Et bien, l'autre point dans l'actualité internationale, là, c'est scandale et Panama Papers là, qui retourne dans l'actualité et puis gagne un procès qui t'emmène dans Panama. Sandra Lemaire, gagne détail. Procès 27 moun la justice accusé dans question mondiale complot blanchiment l'argent qui portait nom Panama Papers t'emmène lundi dans un tribunal panaméen. Parmi moun yo accusé yo gagne propriétaire cabinet avocat Mossack Fonseca qui était une organisation centrale dans qu'aucune chaîne fuite document en 2016. Félicito a los imputados, las personas que fueron investigadas. N'a rappelé que Panama Papers gagne la donne en collection 11 millions de documents financiers secrets qui montraient que Jean Moun qui pi riche dans le monde là caché Kobio. Répercussion fuite documents yo rivé loin. Et puis t'es la cause premier ministre Islande t'es démissionnaire. Ça t'es la cause tout leader Argentine ak Ukraine t'es tombé en bas en pile critique ensemble avec politiciens chinois avec président russe Vladimir Poutine. Procès a que yo t'es renvoyé plusieurs fois. L'ouvri lundi avec déclaration
déclaration avocat Jürgen Mossack ak Ramon Fonseca ensemble ancien employé cabinet avocat Yoa qui fait face ak accusation blanchiment l'argent. Mm-hmm. Mossack était présent dans tribunal là, avocat Fonseca lui-même dit monsieur couché l'hôpital dans Panama. Se le formulan. No soy responsable de tales actos. Accusé Jürgen Mossack dit juge là moins pas responsable pour ça comme ça. Posea centré sous accusation comme quoi cabinet avocat t'établit société écran, c'est-à-dire faux compagnie pour acheter propriété dans Panama avec l'argent qui sorti dans un cocaine chain complot corruption dans Brésil que moun connaît sous nom Lava Jato. Ça veut dire laver auto. Fonseca déclaré compagnie hein, qui fait même pas li en 2018, pas de gain aucun contrôle sur qui Jean client yo ta capable servir avec société écran qui établit pour yo dans l'autre pays. Ni Mossack ni Fonseca c'est citoyen Panama. Mm-hmm. Panama pas extradé citoyen li yo. Mm-hmm. Le tribunal te joint monsieur yo non coupable pour l'autre accusation en 2022. Okay. Document secret yo te paraît en premier sous journal allemand Süddeutsche Zeitung et puis yoté partagé yo avec consortium international journaliste qui menait enquête. Groupe là te commencé publier rapport que yoté préparé ensemble avec médias en 2016. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra, d'après t'es toujours dans la région Amérique latine là, côté yon organisation droit moun accusé Colombie ak Panama comme quoi yo ta violé droit immigrant k'ap traverser forêt d'Ariane pour aller aux États-Unis. Et annonce a fait Jean-Robert Philippe malgré États-Unis mandé immigrant yo même pour choisir voie légale pour capable entrer aux États-Unis pour yo pas prendre l'autre chemin qui capable ba yo en pile problème Jean-Robert. Effectivement, la question dit, c'est un appel que les États-Unis ont suspendu lancé par les immigrants, surtout les immigrants qui sont en Amérique latine, pour dire qu'il y a plusieurs autres moyens que les États-Unis mettent à la disposition depuis après la vie. Alors, c'est comme ça que l'organisation doit humer ça, lui-même, les longer de sous deux pays, ni Colombie, ni Panama, pour dire qu'ils ont violé les droits immigrants, capitaliser le territoire, parce qu'il y a un foyer d'ailleurs, pour mettre, dans le moment, ils mettent tête pour les États-Unis. Mm-hmm. Colombie et Panama ont reçu accusation groupe d'humains, Human Rights Watch, comme quoi ils ont abandonné plusieurs milliers d'immigrants qui utilisent les forêts d'Ariane avec objectif pour aller aux États-Unis. La décision trasciende à nos deux pays. C'est un défi régional. Ministre des étrangers colombien Luis Gilberto Murillo, qui occupait de questions de migration, a déclaré défi immigrants dépassé de pays concernés. Non seulement c'est un problème régional, mais tout c'est un problème mondial. Nous pas voulu accepter parole que nous abandonnons population qui n'en forêt d'Ariane à cause de la vraie. Colombie et Panama fait un gros effort dans ce sens. Organisation droits humains accusée de pays sahéo lui dit qu'il a abandonné immigrants dans forêt d'Ariane qui sépare Colombie avec Panama. Los migrantes que están en Colombia más del 80% tienen vocación. Ministre des étrangers colombien a ajouté puis 80% immigrants qui dans Colombie gain plan rester ici là mais nous besoin plus ressources pour accepter plus toujours. Nous déjà gain loi qui permet nous accepter en 350 000 à 600 000 immigrants dans Colombie, pas seulement vénézuéliens mais immigrants qui déjà vivent dans pays là. Mais nous besoin support communauté internationale là pour capable répondre défi qui devant nous. Dans une déclaration tête ensemble, gouvernement de pays de Colombie et Panama publié, ministre des étrangers de pays yo déclaré, yo fait gros efforts. Immigrants yo c'est un défi qui dépasse de pays yo. Mercredi 3 avril passé, à Human Rights Watch accusé Panama et Colombie, il dit qu'il échoué dans protéger et puis assister plusieurs milliers d'immigrants qui traversent les forêts. Groupe accusé tout de pays, il dit qu'il pas arrivé enquêter sous habit qui t'a commet contre immigrants. Existen algunos países en el sur que tienen que revisar. Ministre des étrangers Panama, Hainaina Kawane déclaré quelques pays dans le sud doivent réviser la politique migratoire qui permet immigrants de traverser la forêt. Un autre point qui est important pour nous devons aborder la question Haïti avec Venezuela. Nous ne sommes pas capables de garder ça sans ne pas dire rien.
problème n'est pas simple. C'est un problème global. En 2023, officiel Lyon en Panama a rapporté un chiffre record dans la quantité d'immigrants qui traversaient la forêt d'Ariane, qui connectait Colombie avec Panama. Plusieurs milliers d'immigrants traversaient la forêt, rentraient Panama, traversaient l'autre pays dans l'Amérique centrale là, avant de rentrer au Mexique pour aller sous frontière, côté de demander asile aux États-Unis. Jean-Bert Philippe, VOA Creole, Maryland. Merci Jean-Bert. Et puis hier, c'était belle bagaille, bel spectacle avec éclipse solaire totale là, qui t'a provoqué un pile sensation, surtout côté le passé. On a parlé de Mexique, et les États-Unis et Canada. Valérie Saint-Louis depuis New York a fait un coup d'œil sur la situation ça pour nous. D'accord. Éclipse solaire qui traversait Amérique du Nord, sorti dans le pays Mexique, arrivait juste au Canada, hier lundi 8 avril là, t'es un gros spectacle belle merveille, côté que plusieurs millions de monde t'ap gardé ciel là. Yo t'ap gardé en l'air pour yo chercher ouais phénomène céleste ça, qui était partiellement visible pour certains monde à cause mauvais temps. Mais à travers Pifo dans zone dans continent, côté que ciel là t'es clair, observateur qui souchi mettre trajectoire direct éclipse là, t'es arrivé ouais bel spectacle ça, qui très rare. La lune n'a te paraît tant qu'un homme noir qui a traîné devant le soleil là. Et puis pendant un petit temps, il était bloqué soleil là, qui lui-même t'a brillé par derrière. C'est ça que scientifique relé un éclipse solaire totale. Période temps éclipse totale là, t'es duré jusqu'à 4 minutes et demie, dépendant sous côté monde qui a gardé à camper. Éclipse ça t'a fait l'autre effet étrange tout, côté que la lune n'a te metté ciel là dans fait noir et c'est seulement une portion dans soleil là qui te paraît. Ça relé un éclipse partielle. Spectacle ça t'a déroulé à travers Pifo dans zone continentale États-Unis. Fanatique éclipse ont rassemblé dans plusieurs côtés sous trajectoire li, qui étend li sorti dans côte Pacifique Mexique là jusqu'à Texas à travers 14 autres États aux États-Unis, rivé dans pays Canada. 4 minutes et 28 secondes, c'est durée temps éclipse totale 2024 là, qui t'est dépassé durée temps éclipse ça, qui t'est traversé pays États-Unis dans l'année 2017, qui lui-même t'est duré jusqu'à 2 minutes à 42 secondes. D'après la NASA, éclipse totale qui a duré entre 9 et 10 secondes jusqu'à à peu près 7 minutes et demie. Dylan Touras Rosendale, son résident en ville New York. It was just a moment where everything else... C'était juste un moment côté que toute l'autre bagaille pas important. Ou senti ou fait une seule avec la nati. Wow! Une expérience que Neil Armstrong t'a dit que le pape j'ai oublié dans la ville après que t'a proposé Patnelli sous vol Delta. Aïe! Oh! Congratulations! Les amis! Dans l'éclipse là, mon yop fait causer, yop marié. Yop met bag, oh my god! C'est intéressant dans l'avion. Oh my God. Non, ça, c'est un moment, papa, ici, qu'on peut pas chambler vraiment. Eclipse 2024, mariage. You are not single lady. Seigneur, qui est moi. Voilà, c'était un événement spécial. Il était semblé tant que moi, pas d'abjom, qu'à joindre une opportunité spéciale comme ça pour moi proposer. Et moi, je voulais faire pendant une expérience que vous faites une fois dans la vie. Qui donc était un moment parfait pour moi combiner tous les deux. C'est à peu près 32 millions de monde aux États-Unis te vivent l'éclipse là. Et officiel fédéral, te prévoit que yon lot 5 millions de monde t'apprêt à voyager pour venir garder. Pour VOA Creole. Valérie Saint-Louis, depuis New York. Merci, garçon. Merci, Valérie Saint-Louis. Donc, c'était belle bagaille hier, dans l'occasion éclipse solaire totale, ça, qui t'est passé, sorti Mexique, traversé les États-Unis, pour arriver au Canada. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Actualité à concernant le pays d'Haïti, certaines organisations sociopolitiques et partis politiques ont cherché plusieurs centaines de milliers de signatures pour imposer choix un juge cour de cassation au lieu de mise en place conseil présidentiel transition. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince. Plusieurs structures sociopolitiques et partis politiques parmi eux, Innovation, lancent une campagne pour ramasser des centaines de milliers de signatures à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti et dans la diaspora haïtienne. Dans l'objectif pour exiger choix et un juge cour cassation pour assurer présidence provisoire transition au lieu conseil présidentiel. Nous choisissons de mettre pétition ça pour toute population. Si une pétition ça, pour celle livre. Seule loi que nous était qui c'est constitution pour nous entrer. On est là toujours, moi c'est le mal, on là. Allons vieille constitution. Mais constitution pas ces mise en bas, mes peuples haïtiens. La justice a fait qu'à des gens qui sont les politiciens, a violé. On les gars compliqués, mais ils ont fait ploum sous les ploum ploum. Mes amis, livre ça là toujours. Moi c'est le mal, on là. La constitution.
tête charge. Eh, c'est les pas bon pas la wap konnen potans li. On y a déterré nous autres déterré là nous croise avec lui. Constitution nous croise avec. Il est pas dans la cour qui était Pierre. Nous décidons fond dernier plume sous lui. Bon, on avance ces garçons fin bon nous détail. Et vers la constitution parce que constitution en Haïti pas jamais appliqué. Yo appliqué les yo voulez faire affaire par. OK, avait dit son constitution, comment on est capable de dire ça? Constitution de réchange. Oui, son caoutchouc de réchange, il là, mais il pas appliqué. Son constitution y a besoin. On a préglé faire nous oublier le coup nous senti engagé, nous besoin légaliser on bagaille nous râler. Allons constitution ça papa. Et constitution pays d'Haïti. Dans tout l'autre pays, constitution appliquée chaque jour. Mais dans le pays d'Haïti, elle nous songe. Des fois, dans vacances, des fois, constitution en vacances, des fois, nous ne pouvons pas croiser avec tout. Et ça, il y a plus de gros points là, puis plus l'argent, c'est ce qui passe. Il y a plus de monde là. Yes. L'on a boire des bananes, nous, c'est quelque chose quand même. Let's go. Mais nous-mêmes, en innovation, nous disons, position CARICOM, si nous quittons le passé, et même nous tous nous prenons l'enterre. Comme nous habitués toujours dit ça, et nous avons toujours dit ça, et nous pas camper sous ça, c'est dans le coup de cassation nous pour aller. Nous pas dans CP, parce que CP par contre pour tes résultats pour nous. Nous avons certaines dérives qui ont fait à travers la communauté internationale. Là. Écoutez, nous avons c'est CARICOM qui a décidé pour nous. Nous avons une proposition de sept têtes. Et bien, CARICOM qui vient à la proposition, mais il a droit. Dès que Claude Joseph fait une proposition, il a pile proposition qui a été faite et puis il a choisi. Il a vu qui c'est CARICOM. Et nous, nous, les Haïtiens. Comme nous, c'est difficile pour nous mettre tête nous ensemble pour nous faire une, ça qui a proposé 5, ça qui a proposé 7, ça, 7 l'a passé. Point boule. Et puis, plus 2 observateurs fait 9 présidents dans le gouvernement. Nous. Parce que nous avons un problème, président. Chaque sac monte qui est élu. Démocratiquement, nous disons blanc, viens chercher, viens prendre mal propre tout là. Je me rappelle comment femme la valasse, Safara, viens prendre. Je n'ai pas besoin de citer ça, je te dis, Américain, elle prend, elle prend le jour et jour. Il y en a 7 têtes, il y en a 9 présidents. Bon, plus passé 2 ans, je ne vais pas dire oui. Et pas de CARICOM, il faut mettre barre à côté. Yo fait proposition CARICOM foure mel nan l'oual pran youn et puis c'est pas Kolo Joseph la passe. Fon di ba la konsa et puis yo met chalet yo met pression yo même tout fè yon gen ti parti pa yo di mais qui ça mais comment règlement yé vous comprenez pour moun fè partie des conseils là c'est moun yo propose fon met ba la droite. Eh bien nous même nous dit que nous avons un seul document de référence en paysan. Yes. C'est maman loi paysan qui c'est constitution. La constitution c'est donc, bien. Nous gagnons article 59 qui dit lorsque vous vide présidentiel, c'est dans le coup de cassation pour aller. Okay. Given Bastien, Joseph Jean Wisley et Pierre Saint-Ange, respectivement président, porte-parole et responsable affaires politiques, parti politique, innovation, dit expérience collège présidentiel, yo pas qu'on bail résultat positif. Expérience co cassation, yo qui qu'on bon. Et c'est ça qui a intérêt pays d'Haïti, d'après c'est bien. Outil. C'est bien. Oui, dans tout ça. Pour VO à Creole. Merci, garçon. Et puis toujours, actualité à dans le pays d'Haïti, la police qui a multiplié opérations pour combattre gang armé, surtout dans la zone capitale là, Yves Manuel. Pour répondre à la mission qui s'est protégée avec ses vies, pendant la crise sans pareil, Haïti a fait face au dernier jour, la police nationale d'Haïti a multiplié opérations et interventions, surtout dans le département de l'Ouest, pour capable contrecarrer l'action criminelle, bandit, les faits sur même population, avec civils, avec sous institutions. Agent PNH, yo fait qu'on est, yo pas baisser les bras by bandi qui au même rend sans sommeil citoyens dans divers quartiers dans capitale haïtienne. Bravo. Combat entre la police et bande armée yo reprend dans commencement semaine là. Affrontement au fait dans champ de masse tout près palais national et qui pas loin tout l'hôpital général dans centre-ville capitale là côté bandi yo a fait ravage la journée ou la nuit. Fusillade sa yo, yo fait après plusieurs jours calmes dans certains quartiers dans la capitale. La. Même scénario a produit dans la zone Delma et l'aéroport international Port-au-Prince, côté moun yo peur descendre dans la rue pour vaquer avec l'activité habituelle. Dans le Carrefour et sud capitale, la banque commerciale yo fermé porte yo. Cependant, aucun affrontement ni violence pas observé dans Pétionville et dans l'est Port-au-Prince, qui se cible attaque répétée. Depuis un certain temps,
bon côté bon améo. Pendant temps ça, pays a attendu toujours installation conseil présidentiel transition côté gagnant étape signati accord politique pour une transition pacifique et ordonnée qui fait bon côté acteurs politiques qui impliqués dans processus là. En vertu de accord politique ça, mandat conseil présidentiel a prend fin 7 février 2026 pour laisser place à investir un nouveau président qui élu dans élection libre, équitable et démocratique. C'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci garçon. On est toujours dans Port-au-Prince côté propriétaire Kaiti qui dans périmètre aéroport international tout c'est l'ouverture là et qui concerné par démarche gouvernement à prendre pour gain contrôle aéroport réagit dans micro VOA Créole sous Jean et ça passé Massado Ville mettait pas là quelques ladeurs. Quelques nan propriétaires nous t'ai croisé dans la Comérita Bar fait qu'on est pour recevoir l'argent des dommages gouvernement promet là alors que la police commence écraser caillou moi et fait toute bagarre fait inscription toute bagarre mais cependant ça qui plus important c'est que moi yo commence écraser yo marqué caillou et puis nous même nous pour gagner un adoquin la main juste yo fait nous signer un chèque depuis plus passé 2 semaines et que normalement matin là on t'a supposé recevoir chèque nous pour recevoir un adoquin alors là on pas t'aimer que normalement pour a fait travail yo et que pour la population lui même là pour gagner la main et puis craser puis pour nos victimes son bagaille et d'après les réduits et que tout moyen déjà disponible déjà que normalement pour dédommager population mais c'est littérature moi qu'a fait ou comprendre c'est monter descendre qu'a fait ouais même monde qui gagne chèque non sorti sous non déjà pourquoi qu'a retirer chèque ouais c'est ça qui inquiétude moi même yo dis moi y a craser connait là venir c'est hier ou venir marquer connait là te dis moi pour me venir derrière chèque moi vin matin là moi pas bon combien chambre ça ou venir là et deux pièces. Deux pièces. Comme il dit, il y a pas au bout des pièces. On va reconnaître fiche et papier non mais une petite mandat. Je te dis moi. Je te dis abonne nous dire on vient là, on dit nous la semaine là il y a bail. Pas qu'on dit quand me craser mais on marqué la démolir. Pour venir côté pour me donner ça à Dim. Il n'y a pas de 20 quand en bas qui craser. En 20? Oui. Nous devons dire décision ça vini. Après aéroport a été subi attaque groupe civil Améo dans date 29 février passé à. Toutefois, aucune activité pour qu'on reprenne dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Créole. Donc, Ganga Meo continue à faire des autres. Tout, nous connaissons que dans la capitale, il y a des gens pile tirés qui ont fait surtout dans la zone Chanmassa. Pendant ce temps, la quantité de monde qui a couru quitter la capitale Port-au-Prince pour venir réfugier dans le Grand Sud là a augmenté chaque jour. D'après ça, correspondant à nous dans la ville Okaï, dans le département sud pays, Ernst Elis Cardino. Bandi kap krasé brisé nan Port-au-Prince la cause en pile moun kouri kite capitale la vini réfugié nan Grand Sud la. Nan vil Okaï, autorité yo te accueilli yon groupe citoyen ki tap chache la vie miyo. Merci pour accueil que magistrat accueil nous. Et décision ba nou c'est pour nous quitter Haïti pour d'aller vivre l'autre côté parce qu'avec problème insécurité a moi t'a vivre Mariani. Bandi boule ka mwen, mwen se yon bos e mwen kapan konstriksyon batiman, mwen bos kontri met. Bandi boule ka mwen ki nou ba ganyen lan men nou. Nou te organize, mwen dalè, mwen dalè gati, mwen dalè chèche l'avion l'autre côté. Men se dommage, bien réfléchi malgré ki lè, bagay yo pa atterri nou. Nan merci bon Dieu pour ça, parce que bon Dieu fait, yo recevoir nou nan département sud la. Délégué départemental sud la, Maître Kitno Estainville, ki nan tèt conseil sécurité sud la, fè konnen, conseil la déjà prend toute disposition pour contrôler moun kap rentre. Dans le département. Conseil de sécurité du Sud, là, il est toujours, disons, il a même responsabilité hein, à l'égard des citoyens dans tout le département. Et ça fait, nous avons toujours arrangé nous au niveau du conseil, de conseil avec mairie, parquet, vice-délégation et quelques directions départementales pour veiller, contrôler les gens qui ont rentré sur le département qui vient dans le Sud. Et ça a commencé à faire. Et comme nous, si nous avons gagné niveau sécurité qui continue à kembe le niveau qu'il y a dans le sud, c'est la détermination que nous avons gagné à collaboration de la population avec chaque institution qui permet que jusqu'à présent nous sommes capables de dire plus ou moins qu'on attendait que le crime qui fait dans le département dans le jour. Citoyens qui sont pour le prince qui prennent très par bonne et par paquet dans le département sud, là, la cause. Vilokay ak zon avoisinant yo bourré ak moun. Pri produit yo augmenté tout sou marché a.
et en pile propriété caille augmenter prix loyer. Dans dernier rapport organisation internationale migration publié dans commencement mois d'avril là, il y a 53125 moun qui courent quitter Port-au-Prince pour venir réfugier dans département alors que d'après même rapport région était déjà recevoir 116 000 moun qui t'ap couru pour bandi. Jean-Ernst, Eliscar, VOA Creole, Okay. Merci garçon. N'ap kite sud, nous pral nan département nord, côté plusieurs dizaines femmes nan l'imbé pote solidarité yo bay kek lot femme qui soti nan capitale la ak nan la Tibonite qui vin rete l'imbé à cause violence gang yo nan zone métropolitaine Port-au-Prince. Gérard Maxino, c'est correspondant nous nan Cap-Haïtien. C'est sous initiative plusieurs organisations femmes tant que Académie pour promotion et valorisation femmes haïtiennes Aprova, Rassemblement femmes Limbé Rafale que plusieurs dizaines de femmes marchent dans diverses rues communes Limbé dans occasion Journée nationale femmes haïtiennes sous thème femmes haïtiennes c'est l'espoir. C'est l'espoir. Coordonnatrice Aprova Yuslan Étienne Robert fait connaître marche ça c'était pour dénoncer discrimination, viol et excision, yon même femme absibi dans la société haïtienne. Dans la matière, nous prenons la rue pour nous porter ensemble de revendications. Revendications, les résumés en trois éléments. C'est égalité, partage et dignité. Intéressant. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous venons parler, nous venons revendiquer et à travers Machla, nous venons réclamer trois éléments. À cause du climat insécurité à Captaï Banda dans le pays, nous paquet de femmes déplacées viennent rester l'imbé. Yon déplacé ou déclaré, li rive nan nord, c'est à cause persécution bandi Améo nan Matisan. Li bat bravo pour si Paul Ijouen nan men moun l'imbé. Ak organisation féministe. Moi passé un an deux mois ensemble avec yo, yo ban logement, yo ban tout assistance, manger tout bagay. C'est yo qui m'a dit que yo fami pou moi dans l'ennemi. Et ma chambre li yo nan vin. Selon numéro 1 Aprova, mesdames déplacées yo, ta besoin bon jan support psychosocial. Nous avons des centaines de déplacés que nous travaillons avec eux, des centaines de déplacés qui ont besoin d'appui psychosocial, des centaines de déplacés qui ont des difficultés pour manger, qui finissent dans le département de mort, mais commune Limbé précisément, nous gagnons plus de cas que nous enregistrons. Activité a été déroulée en présence de plusieurs autorités locales et paysans qui étaient sortis dans six sections communales commune Limbé. Gérard Maxino, Cap-Haïtien, pour la voix d'Amérique. Merci garçon. Et nous faisons un dernier coup de pied dans la province et nous parlons dans Fort Liberté. Côté nous parlons rejoindre Jodelet Junior Saint-Ville qui parle parler de problèmes l'école dans la zone. REDEN, qui c'est regroupement directeur l'école non public dans le département d'Odessa qui gagne environ 89 l'école, dans tête collée avec tout directeur l'école non public dans grand pays qui a signé un accord subvention avec ministère éducation nationale et formation professionnelle, levé voyou bien haut dans la presse pendant week-end passé pour dénoncer ministère qui pas respecté d'après ça yodi accord sila. Maître Jonas Revolus, c'est porte-parole regroupement l'école privée dans le département d'Odessa. C'est tout sila yo qui te signé avec PAPDEF, avec ministère de l'Évasion nationale, un contrat de subvention qui peut payer des collages pour tout le monde sorti dans la classe première année, fondamentale, pour arriver dans la classe sixième année. L'aime considéré, nous avons signé un contrat pour trois années, sorti 2022 pour arriver 2025. L'aime considéré aujourd'hui à nous déjà dans le mois d'avril et que le ministère de l'Évasion nationale avec PAPDEF pour que nous n'avons rien pendant l'école nous pas qu'à répondre à l'ensemble d'exigences nous gagnons. Pour question cantine, nous connaissons si nous avons droit pour nous jouer manger, pour nous manger dans l'école. Mais ce n'est pas pour l'agence ça. L'agence ça, nous avons signé déjà. Si nous n'avons pas bien un bout de la payer dans l'école, nous sommes dans le contrat. Jodi a nous va attendre ces cantines, il y a pas ensemble avec alors que année scolaire presque fini.
Monsieur Revolus te pote explication sou ki sa PEPADEF ap jere an dan ministère élévation nationale pendant le mandé pressé pour l'école privée yo nan département Nord-Est la joine l'agent subvention a jan sa te prévoit nan accord yo te signé ak ministère éducation nationale ak formation professionnelle. PEPADEF c'est un programme qui an dan ministère éducation nationale qui gère question et subvention et pour l'école yo. N'a mandé pressé à ministère élévation nationale avec PEPADEF pour bailler l'agence ça parce que c'est ça nous dessiner ensemble avec Jodley Junior Saint-Ville depuis Wanamet au VOA Créole. Merci Jodley Junior Saint-Ville, c'était un plaisir une autre fois encore pour nous te servir. Merci pour attention. Merci pour fidélité et nous remercions toutes les amis qui t'ont aidé nous mettre le programme ça dans l'air, que c'est Franklin et que c'est Jean-Marc Hervé Abelard, sans oublier gentil Augustin Junior. Moi c'est Jacqueline Belizère et puis Nakazi encore demain pour un autre rendez-vous. Moi je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Sous moi pour aller m'quitter on a bras papa bon Dieu parce que c'est les mêmes celles qui capable protéger bon la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas moi c'est Foucault. Rendez-vous casser demain matin bonheur. Bisous, one love.